Parce que de toute façon, on touche assez d'argent par mois comme ça. Visiblement, le propriétaire est d'accord. Propriétaire, donc nous avons récupéré l'argent facilement sur le veto de Camden. Ok, achetez un refuge. Vous avez acheté Safe Haven au. Bah, c'est pas Safe Haven hein, qui s'appelle, hein, au Stevenson, mais ils l'ont peut-être renommé. C'était Holly Hall. Voilà, posséder Holly Hall, donc ça c'est fait. Donc, nous débloquons le district du Brent. Nous débloquons également le district d'Hammersmith, Fulham. Nous débloquons le district de Wandsworth. Donc au sud, hein, ici, Wandsworth. Limite de la bande augmentée à 18. Je n'ai pas pour habitude de faire le malin, mais notre dur labeur nous a finalement fait rentrer, Ali et moi, au sein de la crème de la crème. Après quelques rénovations, le Hyde Hall a réouvert ses portes et les gens qui nous auraient pris de haut il y a quelques années faisaient la queue pour me serrer la main. J'étais une énigme passionnante pour eux, un autodidacte des rues de l'East End qui possédait maintenant près de la moitié de Londres. Bien sûr, les rumeurs sur mes activités illégales étaient sur toutes les lèvres, mais personne n'osait le dire tout haut. Je n'avais jamais vu Ailey aussi heureuse qu'elle l'était depuis des années. Elle dansait jusqu'au bout de la nuit et causait même quelques scandales sans conséquence parmi les célibataires réservés. La vie ne pouvait pas être meilleure. La vie ne pouvait pas être meilleure, mais bon. Donc, message des Stevenson. Comme convenu, Hyde Hall est à vous. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Mais ça, c'était avant. Bah ça, pour l'instant, on sait pas. Et il nous reste en effet la City, où on n'a pas les pieds, mais déjà à Westminster, on peut aller au palais, palais de la Reine. Donc, voilà la carte où on en est. Nous, on possède la moitié de Londres, en effet, hein, on a 6 quartiers à nous, et on voit qu'il y a 5 quartiers qui ne nous appartiennent pas, actuellement. Pour l'instant, eh ben, on n'a pas grand-chose. Alors, on a quelques tailleurs qu'on pourrait aller récupérer, pourquoi pas, histoire de se faire la main. D'ailleurs, on a une industrie que l'on peut augmenter pour déverrouiller le coup de poing américain et le Sten. On va le faire, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Très bien. On a ici donc la possibilité de trouver le Sin, donc qui est un nouveau journal auquel on a accès maintenant. De ce côté-ci, on a le Brain Cleaner, on a le Sandy Kelt, et il y a aussi la protection des témoins. Une résidence où les témoins peuvent. Alors, on peut rien y faire pour l'instant, mais on sait que s'il y a des témoins ou quoi que ce soit et qu'il faut aller les chercher, c'est certainement là qu'il faudra aller faire quelques éléments. Et donc, Hôtel Luxe a un contrat avec la ville de Londres pour loger les personnes dans le programme de protection des témoins quand ils ont des chambres libres. Donc, pour l'instant, faudra surveiller le coin. En tout cas, Wandsworth, on peut rien récupérer. Lambeth, on a un pub et on peut peut-être récupérer un coiffeur. Ici, donc, on aura un pub et bien sûr une laverie. Et de ce côté-ci, on a deux. Alors, je pense qu'on va aller les récupérer. On a quand même deux tailleurs et les tailleurs ça peut être assez intéressant. Alors le quartier de Westminster est quand même assez comment dire partagé puisqu'il y a les frères Crix et les Stevenson qui se partagent le secteur. On va aller s'installer là-bas bien sûr, hein. Bien évidemment, il n'y a pas de raison. Les Wisham, bah, il reste cette maison de passe qui malheureusement ne nous appartient pas. On va peut-être Les frères Crick sont deux, et si on regarde eux, ils sont trois. Et nous, donc on doit être un, c'est ça? Non, on est trois. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui est niveau 1 et qui est sur la City de Londres, je sais pas. Mais bon. Alors, par quoi on commence? Westminster, Brent. De toute façon, on va prendre quand même les quartiers de Lambeth, hein, ce qui est accessible, on va le prendre pour éviter tout problème. Je pense que ce sera les Stevenson pour la fin. D'accord. Bon, on va aller vers les frères Kirk dans ces cas-là. Enfin, les frères.
Oui, c'est les frères Kirk. Faction. Les frères Creek, oui, d'accord. Donc plutôt Westminster ou plutôt Brent pour aller chercher Parce que ça on le possède hein, ouais ça on l'a. Commençons par les endroits libres. Oui, mais bien sûr, mais est-ce qu'on fait ceux de Westminster ou ceux de Brent plutôt? De toute façon, il va bien y avoir un problème quelque part à un moment ou un autre. Hein. Parce qu'on va pas pouvoir faire ça indéfiniment. Déjà, ça, on va aller... On peut mettre la pression, là. Commencer à s'installer un petit peu. Commencer par Westminster où il y a notre QG. Bon, bah déjà, il faut faire monter le... On va essayer de faire monter un petit peu notre prestige. Bon, allez. Bon, ici, c'est pas trop d'accord. Brent, il y a moins de monde. Il y a moins de monde, c'est toujours aussi compliqué, on va dire. Moins de monde. Peut-être virer un peu ceux qui sont occupés. Allez, on va au planning. Bon, à 6 pour entrer là-dedans, normalement. Ça devrait le faire. Alors. Ah oui, on le connaît celui-là, donc ça, ça va. Et le boss est là. Bon, on va aller déjà chercher les trucs. On a juste à tabasser le boss. Y'a d'autres trucs à piquer? Pas vraiment. On a un employé ici, un employé là, un employé là. Il y a 4 employés, 3 employés quand même avec le boss. J'ai pas regardé combien de personnes étaient présentes. On va essayer de voir si le boss veut bien se casser. Brent, il y a des barils de pétrole, ouais, c'est pas faux. Alors. Ok, un petit civil, pas très... C'est le boss que je voudrais voir. Oh, il me fait plaisir le boss. Le boss me fait plaisir. Ça, c'est du boss sympa. Bon, 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 bon. Ah le boss c'est sympa hein. On n'a pas besoin de plus. Ah, on va pas s'échapper comme ça là-bas. Ah, il y a de l'ordre en plus. Sérieusement? Voilà, comme ça on évite les coups. Euh...
Non, ça sert à rien. Bon, on va sortir un peu des gens parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir autant. C'est que ça vient dessus, hein. Ah bah t'as bien fait, tiens. Va falloir aider, je crois, hein. Ah mince, en plus il y a des choses à récupérer. Merde. Ouais, bon bah là pas le choix. Pourquoi je peux pas cliquer ailleurs, s'il vous plaît? C'est un peu désagréable ça. Ah d'accord, oui bien sûr. L'autre elle traverse la moitié de la France pour venir me chercher quoi. Dites, c'est possible d'avoir normalement un brise-noix en plein... Non, ça veut pas, d'accord. Ok, donc elle est suicidaire. Ah purée, mais les coups qui ratent comme ça. Voilà, la chaise, tout casse, c'est bien. Vas-y, va te bouffer le mur. Voilà. Arrêtez maintenant. Ok, c'est bon. Ouais, on a essayé de passer vite, mais ils ont pas bien voulu, hein. Ça a été compliqué. On a dû assommer tous les employés, malheureusement. C'était pas vraiment ce qui était voulu à la base. Je le reconnais.
Ok. Ouais, il va falloir faire des extorsions ici, hein. On pourrait déjà mettre la pression. Non, on peut pas mettre la pression, on n'a pas assez de... Pff, tabassage, ça me plaît pas, hein. Alors, voyons voir. Une petite pression ici. Au Pilgrim Barber. Allez, si ça peut aller un peu plus vite, ça serait sympa. On aurait aimé que ça soit juste de passage, mais là, malheureusement... Bon, là, il y a 3 personnes à éliminer. Normalement... Ok, il y a un civil ici. Go in. Last one out, buys the round. Ça devrait le faire. Je pense que rentrant à 6 dans l'arrière-boutique, ça devrait calmer du monde. Bah après, quand on sait qu'on doit taper tout le monde, ça va. Quand tu dois taper qu'une personne, mais que t'as tout le monde qui vient pour le défendre, c'est un peu pénible. Faut reconnaître, mais bon, ça fait partie du jeu. Les civils sont alertés, sans blague. Lui, il va m'embêter, lui. Le problème, c'est que lui est à la porte, donc il va m'embêter et... On va faire ça. On va faire ça. Parce que si je fais pas ça, quand je vais passer la porte ici, il va me tabasser. Donc c'est pas ce que je veux. Voilà, ça c'était à peu près donné. Toi, va te cacher. Ok, ça c'est pas dangereux. Ah, dommage, ça ça a raté. C'était pas le moment de rater ça. Mais bon, c'est pas non plus plus grave. Pourquoi ils veulent taper le civil à tout prix, laisser le civil tranquille? J'avais plus eu peur qu'il fasse une crise cardiaque. Ah, ils l'ont vu lui mettre le produit, donc forcément... Ok, lui c'est bien. Lui il bouge. Oh non! Le centre de l'attention qui fait pas l'effet. Ah, par contre là le boss il prend. Hein. Tu m'excuses mais toi va te cacher. Allez, va te coucher. On va arrêter le boss. On l'ouvre à la plus grande majorité. Je crois que le civil il a vu quelque chose. Je suis pas sûr mais je crois que le civil il a vu quelque chose. Pourquoi tu veux taper le civil? Laisse le civil tranquille. Non, le civil. Non, le civil. Tu t'arrêtes, le civil. Quand même.
Bon, on va récupérer un peu tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc, le salon de coiffure va nous permettre de baisser encore la suspicion. Quoi, on n'a pas exigence non remplie. Ah, on n'a pas l'argent pour. Oh, mais si vous commencez à prendre de l'argent comme ça... On va mettre une petite pression pour récupérer l'argent dans ces cas-là. Ouais, c'est bien. Alors moi, je sais pas si dans ma partie perso, j'ai eu des bugs ou quoi. Mais normalement, ces missions-là, en fait, je peux pas avoir plus de 3 personnes pour les faire. Donc ce qui fait que c'est un petit peu compliqué de faire certaines zones avec juste 3 personnes dans... Enfin voilà quoi, hein. Vous comprenez que c'est un peu compliqué. Et ça, c'est à piquer. C'était peut-être pas la meilleure chose que j'avais à faire, ça. Parce que j'aurais pas de deuxième mouvement derrière. C'est possible, c'est possible. En même temps, moi, ça m'amuse. Alors après, est-ce que c'est moi qui ai mis la difficulté sans faire attention? C'est possible aussi, hein, qu'on soit bien clair là-dedans. Par contre, mes petites dames, elles veulent absolument taper les civils. Hein. Dès qu'il y a une femme en face, faut qu'elle prenne, qu'elle soit prête à prendre une tarte. Hein, Après, on aura peut-être ça, aussi bien j'ai pas fait attention de là où se trouvait cette mission-là, et puis voilà, c'est possible aussi. Hein. Oh purée, la caisse enregistre ce qui vole. Allez, civils, on se casse. Non! Non, t'as pas le droit, ça! Voilà, mieux, ça. Ouf! Alors, les civils qui commencent à sortir les gourdins, ça, par contre, c'est pas sympa. Allez, viens au centre de l'attention. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut menacer, enfin l'insulter? Ah oui, d'accord. Ok, comme ça le civil il se casse. Et toi tu te reprends des pains en revenant. Ça me va à peu près. Thank you.
bien. Ah, ah oui, c'est vrai qu'il y a un autre... J'avais oublié celui-là. Alors normalement on a la possibilité de sortir par la rue, hein, vous inquiétez pas, donc on pourra le faire. On va commencer à sortir quand même. Hein. Parce qu'on va pas tous y aller là-bas. Hein. On est d'accord qu'elle nous ignore royalement. Hein. Par contre, Marin Draco, il est en forme. Hein. Il bouge dans tous les sens et tout. Je sais pas si elle veut traverser le mur, mais... Ok. Ah, quand même, la zone de contrôle qui marche pas, faut arrêter un moment. Allez, on est pas mal. Allez, c'est bon. Oui, l'idée à traverser le mur, oui, ça, bien évidemment. Il y a des choses comme ça, on peut les aider quand il y a besoin. 105 quand même, hein. Ah, mais d'accord, oui. Non, d'accord. Tant qu'on est dans Camden, Lambeth, mais normalement, quand on va voir pour Westminster et les autres... les 4 nouveaux quartiers qu'on a découvert, normalement on devrait être bloqué. Enfin, on va vérifier, mais à mon avis, ça devrait se vérifier. C'est peut-être pas tant un bug que ça. Alors, je suis désolé du spoil hein, pour le coup, mais bon. Coup de poing américain débloqué. Et Sten débloqué. Faire baisser la pression, oui, après on n'est pas sur une grosse pression, mais ouais. On peut faire baisser un peu la suspicion, ça peut se faire. Donc on est dans Westminster là pour le coup, donc on va voir si on est bien bloqué à 3 ou pas. Non, on est à 6, donc je dois avoir un bug sur ma partie, ou alors je me suis mis en difficulté un peu plus haute, je sais pas. C'est pas grave. Pas grave en soi. On va mettre Marin Draco, parce que Marin Draco faudrait qu'il monte quand même de niveau. Allez, on y va. Il y a 4 personnes. Ouais, 6 pour 4 personnes. Un anglais ne baisse pas la pression et la boit, c'est vrai, gigolo. Alors. Bon, bah, va y avoir un tabassage en règle, hein, et puis on va faire tout le secteur, je crois. Hein. Où elle est, Justine? Ah, mais Justine, elle a. Elle a le chloroforme, Justine. Mais je sais pas si elle pourra utiliser le chloroforme. Je sais pas si Justine pourra utiliser le chloroforme. La question elle est vite répondue. La question elle est vite répondue. No need to ask twice.
Sure, whatever. Found something. Mise les gars. Ouais, mais on va essayer d'aller piquer les deux petits sacs qu'il y a au fond. Donc les autres vont prendre, ils vont prendre des claques. Notre manucure nous attend. Non, mais y a pas de raison. Parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Pauvre civil qui a rien demandé. Qui voit tout le monde se faire taper autour. Monsieur, sortez de là les mains en l'air, s'il vous plaît! Oh, sérieusement? Ah, ça nous a quand même fait tomber quelque chose? Sérieusement? Ça enlève de l'endurance, ouais, mais on tape, nous. Pas un problème. Allez. Ah non, là je peux pas passer, d'accord. Oui, il faudrait que je fasse ça. Faisons dans les bons ordres les actions quand même, c'est pas mal. Bon allez, c'est bon. Tout le monde est parti. Marteau, ganja, whisky. Bon, au moins on a pris la totalité quoi. Ça monte, ça monte, ça monte hein. Tout, tout, tout. Ouais, le petit la petite musique derrière, elle est vraiment sympa. Hein.